Et tu m'es venu comme un cheveu sur la soupe en agressant d'une lettre de ton propre manuscrit pour me faire part de ton envie fortement désespérée de mettre un point final à ta subsistance et tout cela en parfait anonymat. Ah, mon ami, pour donner une image à tes paroles, j'ai décidé de lire la lettre de vive voix devant la caméra et ça se lit comme ça suit. Chère Salsa, ce soir je me rends à l'évidence que le goût de vivre m'a quitté. Je ne peux vivre sans goût. Adieu, au plaisir, hasta la vida. Ton ami et le mien, Hamanama. Écoute-moi bien, Hamanama. Je ne sais pas par quel moyen tu as décidé de mettre ta switch off. Peut-être par des coups de pelle d'en face, des grosses crises de pelle en tôle, la prise du petit paquet, ou encore la strangulation par pendaison. Ça, c'est comme mettre les bras bien serrés qui t'écrasent dans mes têtes et peuvent. Ça veut dire que je t'ai suicidé au moins 100 fois avec mes clés de bras. Lé, t'es connu, Hamanama, t'es connu. Tu t'es dit dans l'intérieur de ton toi-même que cette lettre à saveur de fausse alarme toucherait certainement mon cœur et qu'il se transformerait rendement pas vite en infarctus. Mais ça, c'est une chose, espèce de manipulateur commercial, que lors de mes combats, mon cœur reste dans le vestiaire. Ça fait que le prochain 29 au soir au Centre Paul Sauvé, tu subiras ma 101e clé de bras. Pis ça, ben, c'est moi qui te le dis. El Salsa Destructor.